parce que c'est probablement, voyez-vous, l'une des très rares vestiges qui peut rester de ce qu'étaient, en fin de compte, les villes de l'époque pharaonique. L'auteur du cher Asrad, hein ? C'est même un véritable musée à ciel ouvert, où les touristes de l'Antiquité se sont pressés. Ça va bien ? On est toujours rayonnant, Marie. Mais c'est quand je vous vois. Donc quand on voit l'étendue de ce site et la richesse qu'il conserve certainement encore, on se dit c'est bien dommage qu'une grande mission internationale ne soit pas justement là présente.